Hey, salut les gars, comment vous allez? En fait, moi je vais très bien. La vidéo que j'ai faite, c'est pour vous préparer au moins à la sortie de La Casa de Papel saison 4. Saison 4. Okay. Vous attendez vous aussi. Moi vraiment, je suis tellement impatient. Je suis en train de rêver vraiment la sortie de La Casa de Papel. Vraiment, j'ai fait le tutoriel sur la date de sortie. Et la date de sortie, c'est les 3. Le 3 avril 2020. En fait, je vais faire aussi un tuto pour vous dire c'est quel site télécharger et ou bien regarder en ligne. En fait, je suis tellement content et impatient. Je m'attendais, quand la troisième saison était terminée, je me demandais, mais waouh, est-ce que, quand la troisième saison, pardon, était terminée, je me demandais, waouh, est-ce qu'il y aura vraiment la quatrième saison? Et j'avais les nouvelles qu'il y en aura. Moi, je suis très content. Et avec le suspense que nous avions terminé avec la troisième saison, la mort de Nairobi, et aussi et le fait de tromper le professeur qui on a tué l'inspectrice, et aussi le bombardement des chars, là c'était waouh les amis. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de revivre l'image du bombardement de ces chars. Le fusillade là de Nairobi et la mort là de non pas la mort mais la fusillade de Nairobi. En fait, mais jusqu'à ce moment je me demande est-ce que va-t-elle vraiment revenir dans notre saison 4. Moi je suis vraiment fan de la fille là, Nairobi, je l'aime beaucoup. La scène vraiment qu'elle joue c'est vraiment me plaise. Elle est totalement magnifique, extraordinaire. Je voulais aussi vous dire une chose. Vraiment, si vous voyez bien, Nairobi avait eu beaucoup de rôles dans la saison 3. Et c'est ce qui me fait beaucoup vraiment douter. Vraiment, c'est pas malchance qu'il sera là. Non, pas par malchance, pardon. Mais il y a peu de chances qu'elle revienne dans la saison 4. Parce qu'elle a beaucoup de temps dans la saison 3. Je pense qu'on va l'écarter. Mais moi, j'aimerais aussi la voir retourner. Parce qu'il y a toujours des possibilités, non? Il y a toujours des possibilités. Aussi, une autre chose. Une autre chose, c'est le fusillade là, des chars. Man. Waouh. La nouvelle espèce là, elle vous pensait qu'il va. Elle pensait qu'elle va anéantir. Elle pensait qu'elle va anéantir les braquets là. Mais elle a été surprise parce qu'elle ne pourrait pas même. Vraiment, c'était vraiment amusant. C'était vraiment amusant. Alors, qu'est-ce que je vous dis? En avril, le 2, je vais vous faire un tuto. Non, le premier, pas le 2, ça sera trop tard. Le 2 avril 2020, je vais poster en vidéo sur ma chaîne, visée plus haut, YouTube, comment regarder et télécharger La Casa de Papel saison 4. Sur quel site? Ne sois pas vraiment. Je vous demande de vous abonner sur ma chaîne, de laisser un commentaire, une question, aimez la vidéo, partagez-la si vous voulez bien. Si la vidéo vous a été vous avez intéressé ou était bénéfique à vous, vous pouvez la partager à vos amis. Alors, je suis tellement content de faire ce tuto. Et à plus, à plus, à plus les amis. N'oubliez pas de vous abonner pour savoir si quel site télécharger La Casa de Papel saison 4. La série la plus aimée, la plus entendue de l'année 2020. Ce n'est pas moi qui a fait ça, mais c'est net. Casa de Papel, série le plus aimée, le plus entendue en 2020. Rendez-vous le 1er avril pour le vidéo. Et rendez-vous aussi les 3 pour continuer à s'amuser. À plus. Ciao.